les gens ont été choqués, de bonne foi. Alors, je leur présente mes excuses. Notre gouvernement actuellement, sous le leadership du président Ibrahim Traoré, personne ne peut contester notre volonté de renforcer la culture et les traditions au sein du Burkina Faso. C'est ce qui nous a conduit à mettre en place la journée du 15 mai comme étant la journée nationale des traditions et des coutumes. Donc, nous avons tout fait, n'est-ce pas, pour mettre en place un système de renforcement de la culture nationale. S'il y en a qui se sont sentis blessés, comme j'ai appris par mes propos, je leur présente honnêtement mes excuses. Et je leur dis, tournons-nous vers l'avant. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.